J'aime bien construire la musique un peu comme un scénario de film. Celui-ci s'appelle « Les espoirs déçus ». Il nous dit la chose suivante. On avait des attentes, on avait espéré que quelque chose de beau, de grand allait se passer, mais non, la vie, on a décidé autrement. Alors dans un premier temps, on est en colère, on est déçu, et on a raison. Mais finalement, si on sait se montrer patient, on va découvrir toute la richesse de cette déception et toute la magie, voire la sagesse, qu'elle va nous révéler. Et c'est cette sagesse que je vais essayer de partager avec vous à travers ces quelques notes commentées. Voici donc les espoirs déçus. On est dans le registre aigu, on est pendu à un fil. On ne sait pas du tout où on va. Alors il faut refaire un petit tour. C'est intéressant parce que on était arrivé mélodiquement au même endroit. Mais la deuxième fois, quand on revient dessus, l'harmonie change. Écoutez bien. Qu'est-ce qui change ? Ici, on était un peu mineur. Alors que la deuxième fois, évidemment, on arrive dans un contexte plus majeur. Mais l'histoire ne se révèle pas si facilement. Et il va nous falloir être un peu ballotté par les flots. Voici comment. Et là, on arrive à ce moment que vous connaissez très bien, et moi aussi, où en fait, on fait un peu le mauvais choix, et on en reprend pour un tour. Etc. L'improvisation qui succède à cette première thématique, finalement, elle refait le même tour. On est à nouveau suspendu, on est à nouveau rassuré, on va à nouveau être ballotté par les flots, et on va avoir cette deuxième chance. On est rendu exactement au même point. Mais cette fois-ci, on se souvient de la dernière fois. On se souvient qu'on avait peut-être été un peu faible, qu'on avait manqué d'à-propos. Et donc cette fois-ci, on prend le temps d'une respiration et on fait un autre choix qui nous conduit finalement vers davantage de sérénité, exprimé par cet accord, vous allez voir, qui fait comme ça. Voici donc ce qu'il fallait retenir
des espoirs déçus, c'est qu'ils sont finalement une ode à la patience.